Les anciens présidents béninois Boni Yayé et Nicéphore Soglo réussiront-ils à rétablir la confiance entre Patrice Talon du Bénin et Abderrahmane Tiani du Niger? Les deux anciens présidents du Bénin ont annoncé à leur initiative se rendre ce lundi à Niamey en mission de médiation afin de rencontrer les responsables nigériens au plus haut niveau. Cette visite de médiation intervient au lendemain de la condamnation à 18 mois de prison avec sursis par la justice béninoise de trois Nigériens se réclamant de l'entreprise WAPCO Niger et intervenant sur le site de l'exploitation du pétrole nigérien au Bénin. Ils étaient condamnés pour fausse attestation et usage de fausse attestation. Le Niger, lui, avait accusé le Bénin d'avoir, je cite, « kidnappé ses compatriotes ». Depuis cette décision de la justice béninoise, pas grand-chose n'a filtré de la réaction des autorités de Niamey. Les vannes du pipeline Bénin-Niger restent toujours fermées, les frontières aussi, et la tension n'est toujours pas redescendue entre les deux pays voisins. Nicéphore Soglo et Ayi Boni, en se rendant à Niamey, comptent sur leur expérience diplomatique et leur statut d'ancien président. Parviendront-ils à décrisper la situation, à contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses entre le Bénin et le Niger? Rien n'est moins sûr. Cependant, certains observateurs apprécient le simple fait de voir une initiative diplomatique dans cette crise régionale qui s'accentue.